La balle à Chris Lofton. L'arrière Manceau est auteur de 28 points, dont 8 paniers à 3 points, mais aussi auteur de passes remarquables comme celle-ci. Avec un joueur aussi inspiré et un jeu plus collectif, les Manceaux ont tout simplement dominé la SIG tout au long de la rencontre. Et pourtant, Strasbourg, champion en titre, leur donne du fil à retordre. La SIG sait être dangereuse, comme en cette fin de première mi-temps à coup de triple. L'écart n'est que de 6 points, 48 à 42. Les Manceaux n'attendent pas pour creuser cet écart au retour des vestiaires et confortent leur avantage. La SIG est ébranlée et perd totalement le contrôle de sa défense, déjà mise à mal. Le résultat est sans appel et sera sans doute bon pour le moral des troupes d'Herman Kunter, qui se relance en championnat de Pro A et passe 5e au classement général devant Dijon et Strasbourg. Prochain match des Tangos en Pro A, samedi prochain, face à l'ASVEL à Antares.